essaie de montrer un peu ce qu'ils font sur la station ce soir. Alors c'est entre la sortie récréative et puis du travail de présentation et de promotion de l'établissement. C'est le partenariat finalement, j'allais dire, il coulait presque de source, mais aussi fallait-il y penser. Je pense que en la personne quand même de M. Pasquet, le proviseur, on ne pouvait pas trouver mieux pour développer un petit peu ce principe-là, qui va même au-delà de, je le dis, du local, puisque actuellement on est vraiment en train de même de solliciter et de monopoliser le maximum de jeunes sur le territoire et au niveau des Pyrénées, on a même des Alpins qui viennent se former au Lep Jacquard. Donc c'est voilà, les métiers de la neige, ben ça, c'est une évidence parce qu'on a la proximité de la station à côté. On va simuler une intervention de maintenance sur le pylône du téléski. Donc les élèves vont monter, ils vont essayer de trouver cette panne en situation, en espérant qu'ils voient quelque chose, parce que c'est vrai qu'on profite de la nocturne des mandoles, donc on va voir ce qu'ils arrivent à faire. Arrive en haut. Tu prends tes deux langes, tu les accroches par le mousqueton l'une avec l'autre au-dessus de la barre ou d'une des barres que tu trouves. Un contrôle comme ça. Ouais, non, donc je passe la barre et je l'accroche comme ça. Ah, non, mais là sur non, non, je vais en haut. En haut, ouais, dès que tu arrives sur les grandes barres là. Okay. Oh Théo, tu passes. Hein. Oui, mais toi t'es grand. Tiens-la vers toi et après tu viens. Oh, ça. Monte. Ah, la nouvelle maintenance. Eh oh. Tu te prends. Je vous crois, allez voir. Il est collé ? Voilà. C'est grâce à moi. Voilà. Ça fait des années que c'est souvent les stations qui font elles-mêmes la formation des personnels, c'est-à-dire qu'on prend on fait monter, je veux dire, de la base, c'est-à-dire des perchemins qui sont un peu dégourdis et qu'on forme petit à petit à devenir des mécaniciens de téléski. Ça s'est toujours pratiqué comme ça à la station. C'est aussi bien que maintenant en aval, on ira, il y ait une formation qui se fasse dans des structures de l'éducation nationale, qui nous permettent déjà d'avoir des jeunes qui vont arriver à la station, qui auront déjà des connaissances par rapport à nos métiers, quoi. Et qui seront déjà formés, et qui auront une base où après on n'aura plus qu'à faire, je dirais, le détail. C'est un domaine, je pense, qu'il faut qu'on développe. On est en train là, normalement, si tout va bien, de valider les Mondolmes comme centre de formation au travers du Lep Jacquard en termes d'artificiers déclencheurs d'avalanche. Donc, on va dire une petite corde de plus à notre arc. Et donc, je pense qu'on a tout intérêt justement à communiquer là-dessus pour à tous les niveaux, pour essayer d'en tirer tous les bénéfices en termes de renommée.